Hé, hey, la pastille pour la gorge. Explique-moi un truc que je comprenne. Si Vanellope n'était pas censé exister, tu peux me dire pourquoi il y a son portrait qui est affiché en grand sur la console de jeu? Qu'est-ce qui se dessine à l'intérieur de ce petit cœur obscur? Rien. Parle. Non. Je te lèche la joue. Vous n'oseriez pas. Hein? Oh, on dirait une râpe à fromage. Alors je continue à lécher les joues ou je croque un bon coup? J'emporterai le secret dans ma tombe. Comme tu voudras. Non! C'est pas par hasard qu'on t'appelle un gros bill. Ça va, t'en vas encore? D'accord, d'accord, je dirai tout. Vanellope faisait toutes les compétitions jusqu'à ce que sa sucrerie essaie d'effacer son code. Il a essayé d'effacer son code? C'est pour ça que c'est une anomalie. Mais pourquoi il s'acharne sur elle? J'en sais rien du tout. Cette fois, je t'avale. Non, je vous jure que je l'ignore. Il a littéralement verrouillé nos mémoires pour qu'on se souvienne plus de rien. Alors je me souviens plus de rien. Mais il y a une chose que je sais. Il fera tout pour l'empêcher de courir. Parce que si elle franchissait la ligne d'arrivée, le jeu se remettrait automatiquement à zéro et Vanellope cesserait d'être un bug. Elle est où? Je t'écoute. Au cas-chocolat avec Félix Fix. Félix? Je m'excuse, c'est tout ce que je sais, je vous le jure. Mais je vous en supplie, me remettez pas dans votre bouche, l'odeur est insupportable. Allez, montre-toi, je sais que tu te caches par ici. Oh, ce terrain est un cauchemar saturé de sucre. Mais qu'est-ce que... C'est donc là que vous cachez vos œufs immondes. Je vais les écraser. Allô? Allô? Y'a quelqu'un? N'importe qui! Laissez-moi sortir! C'est quoi la force qui dit, c'est quoi? Je vais tout casser! Mais pourquoi faut-il que je répare toujours tout ce que je touche? Voyage! Félix! Attends, non, je suis pas content. Qu'est-ce que tu vas encore me trouver comme excuse? Arrête, je ne veux pas l'entendre et je ne veux même pas te parler. D'accord, ne parle pas, c'est pas grave. Mais il faut que tu me répares ce carton vitesse. Je ne te réparerai rien, mon gros. Pardon, ça m'est sorti de la bouche. Mais je suis si horriblement fâché contre toi. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait vivre? J'ai couru dans tous les sens, j'ai retourné l'arcade entière pour te retrouver. J'ai même failli me noyer dans du chocolat au lait. Et puis, je suis tombé sur une fille tellement jolie. Oh, c'est l'horreur, elle me fait monter le rouge au visage. Mais elle est insensible à mes marques d'affection. Et pour finir, on m'a jeté dans ce cachot. Hé, Félix, t'en prie, ressaisis-toi. Oh non, Ralph, tu ne peux pas savoir l'effet que ça fait d'être rejeté et traité comme un vulgaire criminel. Oh si, je peux. C'est mon le quotidien, tu sais. Ah bon? C'est bien pour ça que j'ai quitté notre jeu. Pour tenter d'être un gentil, mais j'en suis pas un. Je suis un vrai méchant, voilà. Et j'ai besoin que tu me rendes un service. Il y a une petite fille, son seul espoir, c'est Scart. S'il te plaît, Félix, répare-le. Et je te donne ma parole que plus jamais, je chercherai à être gentil. D'accord, je suis un imbécile. Et un énorme abruti. Et capricieux comme un gros bébé. Et une tête de pioche. La tête de pioche la plus gentille que je connaisse.